Notre histoire commence aux alentours de moins 60 avant notre ère, lorsqu'un navire de commerce romain appareille non loin de l'actuel port de Naples pour faire route vers une destination inconnue en Gaule. Ces navires marchands, représentant une véritable prouesse technologique pour l'époque, restaient néanmoins peu manœuvrants. Ils pratiquaient dès lors le cabotage le long des côtes. Lors de cette traversée dangereuse, nul ne saura jamais ce qui a contraint ce navire à s'arrêter près de la presqu'île de Gien, dans une anse abritée du vent d'est. C'est ici que prit fin le voyage de notre malheureux navire, en sombrant par moins 20 mètres au large de l'actuel port de la Madrague. Le site du naufrage fut découvert en 1967 par l'école de plongée de la Marine nationale. C'est de 1972 à 1982 que s'échelonneront les différentes campagnes de fouilles, initialement gérées par l'Institut archéologique de Méditerranée, puis, à partir de 1978, par une équipe du CNRS sous la direction d'André Tchernia. La découverte exceptionnelle de la cargaison de ce navire et son étude permirent un bond prodigieux dans la compréhension de la vie de l'époque. À ce jour, il nous est possible d'affirmer que ce navire avait une taille exceptionnelle. D'une longueur de près de 40 mètres par 9 de large, celui-ci avait un poids de transport de fret de près de 375 tonnes. Une organisation très ingénieuse du chargement de sa cale lui permirent de transporter près de 6000 amphores de type Dresselimbé, originaires de la région de Terracine, dans le sud du Latium, ainsi que plusieurs centaines de vases de vernis noir de la région de Campanie. C'est l'étude des timbres apposés sur les cols et les anses des amphores, au nom de Publius Vevus Papus, qui permirent de localiser l'origine de ces monstres, de près de 1,20 m de haut, pour un poids à vide de 25 kg et pouvant contenir jusqu'à 25 litres d'un bon cru du Sécube. Le site de réimmersion des amphores historiques de la Madrague de Gien sera le point de départ de ce tuto de plongée. Celui-ci se trouve actuellement à proximité du sentier naturaliste de la Pointe du Bouvet, non loin de l'actuelle tour fondue. D'accès facile, celui-ci vous permettra une immersion sereine, que vous soyez en bouteille ou en randonnée palmée. L'équipe Sentinelle Littorale vous conseille d'utiliser l'une des trois places de stationnement représentées actuellement par cette croix pour vous faciliter le déchargement de votre matériel. Suivant la période de l'année, vous trouverez plus ou moins de facilité à vous garer, soit sur les parkings payants aux alentours, soit avec un peu de chance, dans la ruelle qui surplombe. Repérez bien ce banc, fort pratique, il vous sera bien utile. Pour les photographes ou simples contemplatifs, pensez à profiter du panorama qui s'offre à vous face à Porquerolles. C'est sous cette bouée rouge que vous trouverez l'actuel site de réimmersion des amphores. C'est en 2014, tout d'abord de façon expérimentale, que 30 d'entre elles furent immergées sous l'impulsion de l'association AREFPAM et du soutien de la municipalité de Hyères. Puis en 2017, près de 120 de plus vinrent compléter le lieu. L'intérêt d'un tel projet est de faire découvrir ce patrimoine archéologique unique, peu intéressant pour une exposition traditionnelle en musée, de par l'état dégradé des amphores. Mais, de cette façon, le faire découvrir dans un environnement différent, mais surtout ludique. Pour la découverte du site en plongée bouteille, nul besoin d'être un plongeur chevronné, la profondeur moyenne est de 6 mètres. Elle autorise même par conséquent les baptêmes.
La faune et la flore colonisent lentement ces nouveaux supports. Ceux-ci serviront prochainement de zones de frais et de refuge pour nombre d'entre eux. Et le temps fera le reste.